Eh bien, salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur W2K20. Mais aujourd'hui, c'est une journée assez triste. Je la commence joyeusement, mais vraiment, c'est pas très joyeux. Vous souvenez, le film de Bray Wyatt a été viré il y a une semaine, même pas une semaine. Et là, durant SmackDown, beaucoup de licenciements de chez NXT s'est passé. Il y a une longue liste. Je vais vous la faire. Je pense que vous avez entendu parler. Si c'est pas le cas, bah au moins vous le saurez. Je vous explique juste vite fait, le gameplay que vous voyez, c'est en direct, hein, y a pas de problème. Sauf que, vu qu'on est samedi, normalement le samedi c'est le Royal Rumble, et là je vais pas jouer. Je vais uniquement laisser l'intelligence artificielle, voilà, se cogner contre les cordes. Y a de tout, y a des superstars qui existent, des superstars modifiés, des personnages de BD, de comics, de manga, de ce que vous voulez, en espérant que ça vous plaise. Si vous voulez un vrai Royal Rumble où je participe moi, bah n'hésitez pas dans l'espace des commentaires. Oui, on en veut un, s'il te plaît. Et comme ça, dès demain, le dimanche, je vous en fais un. D'accord ? Voilà. Alors, on va commencer la liste, bien entendu, des superstars qui ont été licenciés. Et ça fait mal, hein. Je sais pas combien en tout, mais franchement... Après, beaucoup de personnes, je sais pas si c'est vrai ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Beaucoup de personnes se disent que la WWE vend ses talents, plus ou moins bons, plus ou moins connus, plus ou moins mis en avant, pour vendre. Voilà. Beaucoup de personnes parlent de la vente de la WWE, à qui ils pourraient vendre, qui sera intéressé, est-ce qu'il y aurait des changements dans le bon sens peut-être, dans le mauvais sens. Moi j'avoue, je vois pas la WWE être vendue, mais de plus en plus de personnes en parlent, et moi ça me fait peur. Mais je sais que vous attendez la liste des superstars qui sont virés, je me doute. Alors pour l'instant c'est uniquement la raison, c'est motif économique, comme généralement le Covid et tout ce qui va avec, bah, on licencie des gens. Braun Strowman, hein, d'ailleurs Braun Strowman, je crois pas que c'est l'un des seuls qui a pas été autre part pour l'instant par rapport à la liste de personnes qui étaient parties en même temps que lui, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais bref, Bobby Fish, incroyable, Bobby Fish, et c'est fini. Voilà, Indisputed Era, on le verra plus à WWE. Et en plus, pour ceux qui sont pas au courant, Adam Cole, son contrat finit très prochainement. Ça fait peur. Pareil pour Pete Dunne. C'est compliqué, ça fait peur. Ça fait vraiment très peur. Ensuite, on a Bronson Reed. Oh, Bronson qui essaie de virer Ace au point ardent. Jake Atlas, qui est viré aussi. Nous avons Harry Sterling, Connor Reeves, Léon Duff, Ruff, pardon, excusez-moi. C'est pas pareil. Leon Ruff, Stephen Smith, Tyler Rust, Zechariah Smith, Asher Hale, Giant Zangzir, je prononce peut-être très très mal, je m'excuse par rapport à ça. Desmond Troy, qui était le dernier au moment où je vous parle, hein. Peut-être que d'ici là, pour l'instant le dernier qui a annoncé, c'est Desmond, d'accord. Mais peut-être que d'ici que la vidéo sort, en tout cas je vous explique, il est 5h51 du matin, je viens de finir mon live sur Twitch, voilà, sur Supercard, j'ai eu Reginald en mode héroïque, tout s'est bien passé. Mais peut-être qu'entre temps, il y aura d'autres, voilà, on sait jamais. Et la dernière, c'est une femme, Mercedes Martinez. Bah, ça fait peur. Une liste d'autant de personnes et tout. Des talents en devenir, surtout. C'est pas, entre guillemets, des jobbers qui sont dans le main roster ou... Non. Donc c'est vraiment très dommage. Ce qui fait peur aussi, c'est qu'on nous annonçait un roster du feu de Dieu pour 2K22. Mais la WWE, il vire tout le monde. Ça vire tout le monde. Il va rester qui ? Bon, c'est bien d'avoir Roman Reigns, d'avoir John Cena, d'avoir Brock Lesnar s'il est dedans, d'avoir Seth Rollins ou autre, mais à un moment donné, il faut quand même, pour les gens qui adorent faire des matchs différents, bon, après c'est que la communauté peut créer des superstars, c'est pas le problème. Mais je me mets à la place des développeurs, imagine tous les développeurs qui ont, si Braun Strowman n'est pas dedans par exemple, ils l'ont modélisé depuis le temps, ça veut dire que tout le travail qui était effectué n'a servi à rien. C'est compliqué hein. Donc j'espère que, en tout cas, je leur souhaite que du bonheur à toutes les personnes qui sont renvoyées, que ce soit à la WWE ou même dans la vie hein, de tous les jours. Pour moi, j'espère vraiment que ces gens-là vont trouver quelque part où bosser, parce que c'est leur gagne-pain. Voilà, on s'en rend pas compte, mais c'est leur moyen de vivre, tout simplement. C'est leur passion, ils vivent de leur passion. J'espère qu'ils vont trouver quelque chose. On leur souhaite tout le meilleur du monde à eux, à leur famille et même à vous, si vous cherchez du boulot. Si c'est passé quelque chose, je vous souhaite de trouver le meilleur. Et par rapport au Royal Rumble, il y a pas mal d'éliminations, si je ne dis pas de bêtises. Là, sur le ring, nous avons Link, Ghost Rider, The Mask, Ace, Braun Strowman, Le Miz, et le dernier, c'est Dash Wilder.
Voilà. On va voir qui va rester. Pour l'instant, celui qui est le mieux placé, c'est Ghost Rider. Physiquement, et au niveau de l'énergie, il est très très bien. N'hésitez pas, hein, si vous voulez pronostiquer et donner votre avis par rapport à tous ces renvois. Même si je sais que beaucoup de personnes diront la WWE, c'est plus que c'était, j'aime plus, ils se tirent une balle dans le pied, je me désabonne du network. Il y a beaucoup d'avis qui... Je comprends tout à fait à ce niveau-là. Moi, ça me fait mal pour les personnes. Et franchement, on se disait que 2020 allait être dur pour les superstars. C'est peut-être l'année la pire. Bah, finalement, je sais pas si la 2021 ne sera pas pire, tu vois. C'est compliqué. Et en plus, tu dis ça va pas aller en s'améliorant. Il paraît même qu'il y a des news. Hein, j'ai lu comme quoi, vu que le virus continue, etc., avec les variants et tout, bah, il continue même peut-être, après SummerSlam, à revenir au Thunderdome et de plus aller sur les routes. C'est pour ça, enfin, moi je me suis vacciné de mon propre gré. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Je veux pas de guerre entre les gens qui veulent se vacciner, d'autres qui veulent pas. Chacun fait ce qu'il veut, c'est son propre corps. Mais si vous êtes pas réticent par rapport à ça, c'est une bonne solution pour devenir à la normale. Après, on verra à l'avenir comment ça va se passer. Hein. Peut-être qu'un jour, vu que j'ai fait mes deux vaccins, je vais avoir un troisième téton qui va pousser, c'est pas impossible, mais voilà. Vraiment, prenez soin de vous dans tous les sens du terme. Et là, en prenant soin, on a vu que Braun Strowman a éliminé Ghost Rider. Il a un bras, Braun. Son bras, c'est ma cuisse. À quel point il est fort. Du coup, là, franchement, le Miz, c'est compliqué. Dash Wilder, c'est compliqué. Et le masque, voilà. Braun Strowman, c'est la valeur sûre. Voilà, c'est le grand gaillard. Il est sur un ring. Pour l'éjecter, il faut y aller. Mais c'est pas impossible, on est sur 2K20. Vivement que 2K22 sorte, vous inquiétez pas. Je vous fais des vidéos très prochainement sur le jeu pour en parler, hein, pas sur le vrai jeu. Je dois vous faire une vidéo qui va vous parler de la jaquette. Qui sera la superstar de 2K22? Moi j'ai déjà mon petit avis, voilà, et je vais demander le vôtre pour savoir quel est votre avis. Il faut que je fasse la vidéo aussi depuis le temps de tout ce que vous attendiez sur 2K22. Voilà vos attentes. Est-ce que vous voulez le retour du JM mode? Est-ce que vous voulez un petit road to WrestleMania par exemple? Avoir des modes de jeu en plus, le mode ambulance par exemple, et plein d'autres modes. Est-ce que vous voulez des choses différentes? Vous m'avez répondu dans une vidéo. Et ben, on fera une vidéo par rapport à ça et ça se passera bien. Voilà. On fera ça en attendant que le jeu sorte. Il faut être patient. Bon, pour l'instant, le Miz essaie de sortir Dash Wilder. Il n'arrive pas du tout. Link. Voilà, il est tout vert vêtu, il s'est dit, moi je vais m'occuper du masque, parce que le masque, bah, il est vert aussi. Il a un peu du mal. Il a un peu du mal, mais il a réussi. Link élimine le masque. Dash Wilder a éliminé le Miz. Et attention, en Dash Wilder qui va peut-être éliminer Link, et non. Bon, pour l'instant, comme je dis, le mieux parti, c'est Braun Strowman. Il est grand, il est costaud, il est un peu comme moi. Vous voyez, voilà, hop. Le spécial, attention, Dash Wilder, c'est fini. En plus, Link, il a un finisher, comme Braun Strowman. Ça peut aller très très vite, attention. Est-ce qu'il va faire le bon choix? Oh non, non, non. Voilà. Il a mis trop de temps. En fait, le problème, quand c'est l'ordinateur, faut aller vite. Faut prendre la personne par la nuque, t'es comme si c'était ton fiston. Viens, hein. Viens. Il l'attrape par là. Oh là, il va lui faire un 619, on va rien comprendre. Oh, il le laisse comme ça. Il le laisse en mode... Toi, je te respecte même pas. J'ai du mal à parler, désolé. J'ai fait 6 heures de live, je suis épuisé. Mais je voulais vous voir cette vidéo avant que... Bah, tout simplement avant d'aller dormir. Voilà, comme ça, moi, la vidéo est faite. Je peux dormir tranquillement, faire une grosse grasse matinée. Et après, bah, la vidéo sera disponible sur la chaîne. Voilà. Finisher de Braun Strowman, je pensais qu'il allait le porter pour le mettre à l'extérieur. Moi, j'ai eu le bon plan, c'est qu'il élimine Link. Link, faut faire attention à lui. Parce qu'à tout moment... Il peut appeler ses amis. Attention! Le contre de Link. Et ça, c'est beau. Bravo à lui. Mais Link, il est pas rancunier. Toi, il s'est dit, ok, bon, Braun, tu veux m'éliminer, c'est pas grave. À votre avis, est-ce que parmi votre pronostic que vous avez eu quand il y avait les dernières personnes, vous avez eu bon? Moi, bon, j'avoue, mon pronostic était Ghost Rider. Il s'est fait allumer. Sans mauvais jeu de mots. Parce que Ghost Rider est en feu. Braun Strowman... Tout va bien pour l'instant, mais on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. En fait, c'est là où vous devez l'éliminer, Dash. Toi, Link, il est... Oh, non, mais c'est bien de faire ça, mais élimine... Voilà. Oh là. Mais arrêtez, il y a... À votre droite, il y a une personne. Voilà. Et Dash Wilder,
il va subir le même sort. Et ben voilà, comme je vous l'ai dit, Braun Strowman, le grand favori, une grosse bise à lui. Je l'avais rencontré une fois, il était très très gentil avec moi. Donc un bisou à lui, un bisou à vous aussi si vous l'acceptez, bien entendu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas, le petit like. Après, malheureusement, les renvois, c'est jamais une vidéo qui fait plaisir. Mais il faut que j'aime bien les faire, ça vous donne l'actualité. Et vu que beaucoup de personnes ne suivent pas forcément les réseaux sociaux, vous n'êtes pas forcément au courant. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et puis c'est tout. Allez, salut!